dans les principes de vote. Selon ce que le prophète nous a enseigné, si on soumet à l'église un point, un candidat ou quelque chose à voter, et que s'il arrivait qu'il y a eu ceux qui ont eu l'avantage et ceux qui n'ont pas eu l'avantage, dans le message Hébreu, chapitre 7, deuxième partie, c'est plus de photos parce que ça sera mis dans le site. Au lieu de filmer, c'est tout de photos parce qu'on va publier. Filmer, et quand on va couper la bille de photos, on va filmer, voilà, pour le moment, il y a 15. Parce que c'est un grand événement, on doit mettre dans notre site. Moi, dans mon aîné, autre d'une chavarekela, Muchibanza chetu cha kumona mwa kwa banya kudibajini cha bwa kumona bulaba buzima deuxième partie. Paragraphe 290 à 291, le prophète nous enseigne comme ceci. Le prophète nous enseigne. Donc si une partie des gens veut faire ceci, non, et que l'autre partie veut faire cela, et qu'une partie gagne, comme notre vote d'hier, tous ont trouvé que pas d'accord et 1175 favorables. Que fait la partie perdante? Elle se rallie tout de suite aux autres. Dans ce cas, nous avions tort. Nous irons de l'avant parce que le Saint-Esprit a fait ce choix-là. C'est tout à fait ça. La partie perdante s'adhère à la majorité. C'est comme les démocrates et les républicains, les deux partis politiques. Aussi longtemps que nous sommes une démocratie, et que nous sommes américains, si les démocrates sont au pouvoir, les républicains devraient venir leur offrir leur appui. Les républicains au pouvoir, les démocrates offrent leur appui. Voyez,
C'est exactement ce qui fait de nous une nation. Donc les Américains. Quand nous violons ça, nous violons notre démocratie. C'est vrai. Les démocrates disent, je ne veux rien à faire. Les républicains sont au pouvoir. Je n'appuierai pas ça. Il dit alors nous tombons. Je suis du Kentucky. Mais l'union fait la force. La division fait la chute. Je rappelle d'abord ça, les bases que le prophète a placées. Je prends dans une délivrance totale. Prêchez le 12 juillet 1959. En 59 là, Branham avait fait de Branham voulait modifier les églises, agrandir les églises. Alors cela était soumis à votre
comment Dieu a montré sa puissance. Comme Daniel Tabernacle a passé par un temps, et aujourd'hui, Dieu a placé les choses. David à David.
Je voudrais commencer par remercier le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous vous bénisse. Jusqu'à cette étape, il y a des églises. Après la mort du pasteur, on peut compter autant de divisions. On peut compter autant de troubles. Mais nous sommes restés. Lui, le souverain de Dieu. Vous savez, nous avons des autres pasteurs. Il y a des mamans. Quand tu vas passer, tu vas les mémoires. Je lui disais toujours, je suis de nature à ne plus trahir. Vous avez un peu de temps. Nae mamuka vichiche na mungu wa mfwana kutungi langana anye kraize langana bibito. Je ne suis pas de nature à décevoir. Che na mungu kutabide wange langana mai kumaka sato. Cela ne veut pas dire que je ne commettais pas des erreurs. Ah, chiche mina vami. Ces erreurs que j'ai faites, c'est ça la différence entre toi, mon conducteur, et moi, le conduit. Tu as gagné des gens qui ont couché, 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 qui ont 19 ans à côté de mon pasteur. Qui t'a dit, Inch'Allah, que le Seigneur a pasteur Yann David, puis tu m'as dit qu'on y n'est pas, ma boulouboulou, sans aucun problème. Quand on y est, c'est la grâce de Dieu. Vous m'avez témoigné votre confiance. Non, merci. Vous me dites bien, il y a un moment. Et cela a fait trembler mon cœur. Ah, Dieu, je sais que je m'en ai eu à l'eau. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Vous savez que moi je n'ai pas étudié. Dans cette vérité, mon chien, il est un petit peu de chien. Si on peut parler du droit, de la justice. Dieu m'a donné des magistrats. Je ne suis pas comme ça.
mushinga ngomedisa. Mais s'il faut parler de commerce, la lumière est gagnée le bonjour. Je sais tout. Mais dans notre vie, Dieu n'a pas sa ta, Dieu vous mène dans ce temps. C'est pour vous dire que sans vous, moi je suis incomplet. Je sais que j'accomplirai la mission de Dieu. C'est un sacrifice. Au moins, il y a un an. Moi, je ne vais pas dire que je vais me dire que je vais me dire que chacun dans son domaine. Qu'il sache qu'il est un soutien, un secours pour sa personne. Tu connais, David est passé. Alors si Dieu conduisait Josué d'une certaine manière, vive les réalités. Vous voyez bien ce que nous disons, où l'homme est le meilleur choix, où vous rougez, dites-moi, il a mal aimé, mais il faut vous dire que et que le peuple disait, non, Moïse ne faisait pas comme ça. Ah. Vous l'avez fait, je vois, tu vois, il y a un choix, vous chalez, vous m'avez dit, vous m'avez dit, alors là, le peuple allait amener Josué à rater sa mission. Moïse était Moïse avec sa réalité. Josué était Josué avec sa réalité. C'est pour vous dire, le pasteur David Kabasele, il était David Kabasele unique en son genre. Il faisait toujours mention à l'ordre qui allait être placé. Vous êtes-vous déjà demandé? L'église qui a son pasteur? L'église qui a son pasteur? Avec des jacques? Avec des administrateurs? Mais Dieu ne fait qu'insister sur l'ordre qui sera placé. Quand les gens ne vont pas dire que l'ordre là, c'est la position du croyant. Mais comme le peuple avait compris l'importance de Josué, quand vous je prends Josué chapitre 1, 16e verset. Vous lirez le reste à la maison. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné.
Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement. Comme nous avons obéi à Moïse. Mais seulement l'Éternel ton Dieu est avec toi comme il a été avec Moïse. Que Dieu vous bénisse très richement. Je ne peux pas m'empêcher de remercier nos diables et nos ambassadeurs. Parce que sans leur concours, l'ancien n'avait pas réussi sa mission. C'est quand ils sont restés stricts, aux ordres donnés par l'ancien. Comprenant l'importance du travail qu'il était venu faire ici. Et leur soutien afin que nous puissions arriver aujourd'hui à ces résultats. Que Dieu le bénisse très richement. Je pense que Dieu prend le dimanche prochain. Et imagine ça que mon dans le mimo. Comme je pourrais dire quelque chose sur la manière que nous allons avancer. Je vais d'abord rester avec les conducteurs qui conduisaient l'église. Pour qu'ils me disent ce qu'il y a dans l'église réellement. Qu'est-ce que notre pasteur a laissé? Qu'est-ce qui est en suspense? C'est pour vous dire que j'ai encore besoin d'eux. J'aurais toujours besoin d'eux. Il n'y a pas de ennemi parmi nous. Sous-titrage Société Radio-Canada.
spécial. Il vous prédit d'avoir dit. Tu as confirmé ton serviteur. Voici l'individu. Oui, c'est le Dieu du Seigneur. Et je vous le dis, je vous le dis. Je te suis à son pasteur. C'est toi qui viens de confirmer cette élection. Puisque la paix qui a toujours été là. Le respect qui a toujours été là. Dans cette église, continue de la même manière. Bénis ses enfants, Seigneur. Bénis les conseils d'administration de ces enfants. J'entends par là les diables de les administrer. Tu vois, ô Dieu, qui sont en pleine construction. Bénis les activités de tous les croyants afin que nous puissions bien je te remercie personnellement, Seigneur. Tous les enfants, bénis tout le monde, bénis merci, je vais vous le faire. Qui ont apprécié notre papa. Merci. Dans ce village, je veux voir comment vous l'aimez. Il termine sa mission. Il a terminé sa mission. C'est demain qu'il va nous quitter pour le journal. Seigneur, je ne dis pas mon amour que vous avez dans votre cœur pour lui. Et chacun amène quelque chose pour lui dire au revoir demain. Vous aurez une offrande d'amour pour les révérends. Ce qu'il a fait pour nous est tellement grand. Il dépensait son argent pour mettre les carburants. Vous tournez tout l'enfant et machine. Des fois, il payait seul l'hôtel. Alors, nous ne savons pas ce que vous préférez. Ah, tiens, we'll be right back.